son brut, gros face à face entre ancien sénateur Jean-Renel Senatis Dizo Kiki avec un conseiller président Jovenel Moïse, Patrick Crispin. Eh bien, discussion éclatée, mesdames et messieurs. Nèg yo fè gwo rale menè vini sou fin mandat président Jovenel Moïse, 7 février 2022, avec fin mandat. Donc, sénateurs, divers sénateurs, qui ont même président te dit, mandat nèg sa ou fini, et depuis lors, nèg yo te obligé, interdit pour te pénétrer en dans Sénat la République là. Eh bien, jodi a la, nous nan question fin mandat sa, gwo discussion éclatée entre Jean-Renel Senatis, qui fait qu'on est. Donc, le président lui-même, te gen tout. Et gros coron, te gen tout et tout folie chef sous lui, il était bloqué et ou bien 10 mandats en sénateur ou fini et les mêmes mandats constitutionnels li fin depuis 7 février 2021 et jusqu'à maintenant, il pas décidé quitter palais national et il propose dictateur, il dit c'est 7 février 2022 qu'il a quitté palais national. Et ben d'après ça Patrick Crispin te dit donc le président poko rive dans le mandat fini qui donc président rete 12 mois encore voilà un an pour les mêmes mandats prend fin 7 février 2022 qui vient là. Donc nous allons inviter autant de gros face à face à Patrick Crispin et puis Jean-Renel Senatis. Donc c'est deux gros taureaux dans la question politique et m'a besoin de qui débat tête chargée qui te gagne dans émission bon en vérité pas légal ou sous machin de la caille. Donc nous comptons avec vous, n'a profiter remercier tout le monde qui continue à abonner avec canal là. Enjoy vidéo à tout le monde, likez, commentez surtout. Abonnez avec canal là, n'a pas tourné pour une prochaine vidéo. Out. Pour peuple là, gardez au pouvoir ces résultats que parler pour vous. C'est pas blanc qui pour qu'un beau pouvoir. Moi, je crois aussi bien, haïtien, frère Maxime qui est dans l'opposition, son droit qui est gagné pour dans l'opposition. Et son droit qui est gagné tout, dans l'alternance politique là, pour prendre pouvoir, pour chercher pouvoir. Mais je crois que, pour arriver à prendre pouvoir, chercher pouvoir, c'est avec projet de société, avec programme, et montrer, yo faire la radioscopie de pouvoir en place là, montrer comment yo même y a pi bon, yo pas besoin de blanc tout, qui pour retirer moun sous pouvoir ou yo pas besoin de blanc tout qui pour mener au pouvoir. Donc c'est haïtien. C'est pouvoir pas de besoin blanc tout pour aider le kembe pouvoir. Pouvoir pas de besoin blanc pour aider le kembe pouvoir, c'est travail pouvoir, résultat pouvoir qui pour faire peuple à kembe. Moment, vérité. Opposition pas besoin blanc pour le grand pouvoir. C'est ça la dénoncer et c'est Jean lui articuler et Jean présenter projet de société parle qui pour convaincre qui pour convaincre citoyen qui pour mettre au pouvoir. Parce que ancêtres nous yo Dessalines, Chalmaï Pégal, Capoil Lamour, Henri Christophe, Pétion et Ladrier, si les consacrés étaient pensés, nous pas bien 1er janvier 1804. C'est ça, alors ma brave, c'est conseiller, président. Il m'a assumé samedi à Mouret. Oui, non, naturellement. Non, haïtien avant tout. Très bien. Non, mais si on dit pas engagé personnellement, ça engage la présidence. Moi, je te dis, puis je ne suis pas allé avocat, non, personnellement. Donc, il m'a porté pour pas gagner. Comment je vais sur le domaine même? Hein? Tape sur le domaine. Et pas ça qu'il faut être pour précaution, ça, non? Peggy, moi, salue le frère Lumière, moi, et chrétien, tout aussi bien. Moi, salue Maître Leblanc, ancien ministre de la Justice, que à Orlando, dans Radio Classique Interne, qu'on recevait, parce que le bon frère qui a vécu Orlando. Et pas ça, et Maître Leblanc. Moi salue et commissaire Renaud Etienne. Moi salue et ancien ministre de la Justice Paul Denis et le monde que politiquement nous gagnons des habitudes tout aussi bien et puis nous gagnons des amis communs tout aussi bien donc mais on va pas la même position parce que lui-même dit mandat a fini ou dit mandat a retourné 12 mois. Donc on va pas la même position. Franchement, pas 12 mois. Nous saluons. Professeur Cadet. Non, écoutez, parlons de mandat. Parlons de mandat, nous quoi? Ouais, Christophe vient tellement sérieux matin, je vais vous garder les choses. Ouais, je vais vous dire, vous pouvez avoir invité par le national,
ou bien dit ou dit parler national au président parler si c'est au président président moi me devant là n'a pas qu'un d'après lui il se dit au président de la présidence non ma, non ma la présidence la présidence c'est mon institution maintenant lorsque mais Crispek vient là oui comme au président non 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 c'est président non pas président l'homme qui Crispek qui devant là que nous connaît de très près nous ouais intellectuel là nous ouais pour Biteli nous qu'a dit nous qu'a fait un débat vous comprenez mais pas mettre Michel pas mettre Crispek dans ça va mettre là là pour dire le représentant président Jovenel bah ça ouais les gars il n'a aucun regret bon c'est bah, ça ouais, j'ai dit c'est représentant président même c'est conseiller c'est ça que dit en parlant de 7 février 2021 que nos frères et sœurs de l'opposition politique à Paléa yo même en mille fois n'a font conscience yo n'a font nan yo yo ba nous raison n'a songé sénateur Nenel Kassi nan pleine en pleine manifestation nan micro journaliste que li t'a parlé li t'a dit et déclaré et m'a cité li dit lui même li son exemple vivant que mandat président Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022 sénateur Nenel Kassi a dit ça et puis plus près de nous le fameux avocat on n'a pas fini de le voir pas moi pas cette dimension on s'en pour appeler pour continuer moment et moi rappelle l'année dernière dans les échanges lorsque votre équipe avait décidé que le mandat des sénateurs avait pris fin. Je me souviens, vous avez participé à ce débat sur le réseau, sur un site et que nous avons. Oui ou non, vous avez décidé que le mandat a fini parce que constitutionnellement, vous êtes censé commencer en 2014, même si vous êtes seulement en 2016, le mandat a fini en 2020. Oui ou non, vous avez soutenu la position ça. Écoutez, et Maître Leblanc, moi-même, comme citoyen, lors de ce débat, moi, j'ai énoncé la théorie d'arithmétique constitutionnelle. Ça veut dire ça que je l'ai dit. Et plusieurs de vos frères et sœurs t'ont retrouvé à travers le théorie, même sans monde. Quand le pouvoir a décidé, puisque la théorie d'arithmétique constitutionnelle t'avait, selon le principe normatif, ou trouver opposition. Ou d'accord aussi apprécié l'égalité du citoyen. Ça veut dire que. Non, puisqu'on va parler de principe. Oui. Est-ce que ou même ou d'accord du principe d'égalité? Nous d'accord sur le principe d'égalité. Si nous parlons du normativisme, donc nous d'accord sur le principe d'égalité. Mais de problème en problème, de situation en situation, ça rend. Situation délicate. Ok? Parce que go enchevêtrement. Ok? Et encore plus près de nous, notre juriste, mon frère, mon ami, ancien sénateur de la République, qui est-ce qui s'en Yuri la Tortue. Non, pas sénateur. Bon, sénateur. Bon, incohérent. Mandat Jovenel Moïse. On est sénateur pour la vie. Moi, Jovenel Moïse a constaté la fin de mon mandat. Écoutez, non, parce que écoutez un moment. Nous respectons et ça fait mieux. Nous respectons. Regardez. Jovenel Moïse constatait le président. Jovenel Moïse, au 13 janvier 2020, dit mandat 9 sénateurs fini. Donc, mandat PAM comme sénateur de la République, il n'y a pas eu la tortue. Il constate. Il constate. Parce que c'est co-dépositaire de la souveraineté nationale. Jovenel Moïse, mandat arrivé le 7 février 2021, il y a un
co-dépositaire de la souveraineté nationale au même titre que Jovenel Moïse qui l'a exercé comme chef exécutif là, qui constatait Mandal fini. Maintenant, je dis, c'est ou bien à faire l'État ou bien pas faire l'État. Mais moi-même, ensemble avec vous, nous tous qui sommes autour de table qui est à la hauteur, il faut nous comprendre. Je dis, nous avons affaire avec un ex-président qui continue à garder, à occuper le palais national et qui fait l'objet d'une instance en justice pour usurpation de titres et de fonctions devant la justice. Peut-être j'en ai fait l'incapable non passer devant CEPA, déranger Colac Bélanger, Carlos Hercule, pour te laver, mais vous dites, il est incompétent. Mal devant juge correctionnel là, pour me poursuivre pour abus d'autorité. Ou perdu non, pas beaucoup. Comme tu vas mettre Georges en face, avec ça, jusqu'à présent, il y a une décision. Il y a une décision qui est rendue. Ok, bien décision jusqu'à présent. Moi, pourquoi? Non, juge l'avait, mais yo, yo dit, yo incompétent. De pas faire le casse moun. C'est ça que fait carré juge là, je dis. Ou après, yo te mette devant le parlement camion Udmo pour me battre 40. Mais yo mette camion Udmo tout devant la cour de cassation pour juge pas 40. Seule chose que tu as gagné, Jovenel Moïse pas arrêté sénateur, mais il arrivé lui-même arrêté de juge. Dans la cour de cassation, lui mettre la police à chercher cochon fou, on jucre le Noël, Sius, qui juge d'instruction, lui mettre la chercher cochon fou, avocat, parce que le fomenter un bagaille coup d'État qui est dans la tête lui seulement. Maintenant, tu comprends bien. Nous t'ai dit à l'heure là. Comment président qu'a fait? Il pas président encore. Je veux dire, un dictateur qui joigne deux branches dans BISAP. Qui joue de branche dans la police, qui joue de branche dans Annie, qui joue de branche dans l'armée, qui a fait des exactions pour lui. Et je vous dis, il y a un qui a parlé à Crispé. C'est où seul notre capable team? Est-ce que l'homme saute dans le studio là, dans le studio radio, si il y a FM, je vais monter ma chine dans la caille. Ou même seul notre capable est-ce que l'homme prend la caille, je vais kidnapper, même je vais kidnapper Abdias, indumé, parce que le problème, on bagaille, on veut le cacher. Et ça, il y a une information pour parler. Moi, je regrette qu'on est un coup. C'est sincèrement. On est un coup. On est un coup. Pradel Henri Kess. On est un coup. Et Jacques Soledi Alexis, qui est remplacé l'avant-hier. Il y a tant d'autres mondes que je ne suis pas obligé de citer. Moi, je regrette c'est le pouvoir ça dans cette vie. Et ou même, frère, ou pas prêt de serment, ou même, tu as dit, nous sommes connus la Bible. Tout bien, tout mal, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Père, on va le servir, mon yola, dans la partie bien mal. Pourquoi on va le faire avec gang, yo, frère? Ou t'as pour qu'on va le faire avec gang? Moi, je suis sénateur Jean Wenel, jusqu'à présent, mon commissaire du gouvernement. Moi, je suis sénateur dans l'âme, mon avocat militant. Pas honnête qui chef gang, capable de seule relation qu'il y a avec moi. C'est lui, le sénateur, je m'en dis, bon, mon boost, mais tu dis, en profession. Moment, vite. Pour les prêtres, bon, faut éviter l'école. Et c'est ça que tu as dit avec moi. Et pas même une côté directement, il a passé par voie détournée. Parce que nous sommes lumière, il faut qu'on râle et mettre la lumière, c'est vieux pour me changer. Crispin Mbossé, le moment arrivera où tes compétences, vérité, Renan, compétences sont toutes qui là autour de table là, n'a pas mettre le service de pays. Nous allons faire là, nous faire pays. Et nous tous à mourir de lit. Parce que Crispin, on s'est conseillé, peut-être en tout cas, il y a des agents IGPN qui ont pour sécurité. Mais madame nous là où il y a petit nous là où il y a cousin nous là où il y a après 2-3 jours Jovenel sont nous parler comme parle pas arrêter nous dit il pas parler 7 février mais elle pas arrêter non plus vous songez et sénateur Denis vous dit monsieur pas parler 7 février mais elle pas arrêter non plus maintenant après branche qui monde qui est bel en l'air yo mon yo commencer mais commencer trembler parce que nous mon Dieu dit à tourner on dit pas haïtien ne pas haïtien pas pas haïtien bon pas avec 10 comment on fait là comme haïtien pas avec 10 monde dehors là non mon cher c'est parce que mais pour nous l'étranger qui kembe Jovenel Moïse là vous comprenez comme intellectuel vous comprenez et nous toute l'affaire politique nous comprenons lobby salier en politique nous connaissons. Nous connaissons ça qu'a fait dans diplomatie nous connaissons qui négociation qu'a fait sous deux populations en tout. Et chaque le, il y a qui est bébé, un ancien président au pouvoir, donc on dit va les sommes d'argent tout, qui a déplacé Jean-Bé Frontière. Mais vous dites. Mais le pays a en danger. Mais tu dis 7 février, ou t'es pas gonaïf, c'est pas d'Américain qui t'es là. Ça, c'est pas gonaïf. Ça, c'est pas gonaïf. Ça, c'est pas gonaïf. Ça, c'est pas gonaïf. Ça, c'est pas gonaïf.
Plus policiers USGPN que les gens qui sont dans la rue. Pas fait ça. En sérieux, mon cher. Pas fait ça. Écoutez, mais ça, on n'a pas dit. Sous même rubrique 7 février 2021. Donc, nous connaissons que le sénateur Yuri Latordi, je répète, c'est un ami, c'est un frère. Et que dans l'interview, il était accordé à France 24. Et côté que, il était fait référence de 3 think tanks de l'université américaine. Et li t'est conclu dans l'interview ça que t'est accordé à France 24 là que mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2022. Non, on va parler d'un lapsus peut-être. Pour cette constitution, objection. Non, peut-être un lapsus. Avocat Yuri Latortue. L'intellectuel Yuri Latortue. Sénateur producteur Yuri Latortue. D'ailleurs, je ne veux dire, société à Gampil Bagayo. Yo Louré, monsieur. Et question de Petro-Caribé. Donc. Qu'on a un pouvoir, qu'on a une position dans la société civile, sur ce monde, il faut reconnaître le valeur travail que M. fait, et il faut qu'on d'accord tout pour le procès Petro-Caribé à fait. Quand il y a les gens qui disent ah bon problème là, soit on dit nationaliste nous monter, désaligné nous monter, c'est là bon problème de l'entité. Soyons sérieux. Non, ma fille, que moi-même, moi c'est un fondamentaliste.